Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour un tour de cartes impromptu avec un jeu de 52 cartes qui peut être emprunté. Pour ce tour, on a besoin de deux spectateurs, voire même trois spectateurs. Dans un premier temps, on va demander à un spectateur de mélanger le jeu. Donc le jeu est mélangé, coupé par le spectateur. Et on va demander à nos deux spectateurs de prendre un petit paquet de cartes. Donc il s'exécute, il en prend un petit paquet, le deuxième. Pareil, un petit paquet, un petit peu moins, mais c'est pas grave. Et dans le tour originel, la carte est pensée et par le spectateur et il nous donne juste la position. Comme j'ai pas de spectateur, on va le faire ouvertement. Donc le spectateur va choisir une carte. Donc on va mettre nos cartes en éventail. Bien en éventail, voilà. Et on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze cartes. Un spectateur choisit une carte, celle qu'il veut. Imaginons la dame de carreau, qui est en 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, 4, en cinquième position. On rassemble les cartes, on compte 1, 2, 3, 4 et 5. Et on introduit sa carte dans le paquet. On lui demande si sa carte a bien été introduite dans le paquet. Effectivement, sa carte n'est plus là. Dame de carreau n'est plus là. Donc, on rassemble les cartes, on mélange un peu et on les met de côté. Idem pour le deuxième spectateur, donc il va choisir une carte, donc on va les éventailler ouvertement. Voilà, et donc on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept cartes. Un spectateur choisit une carte, imaginons le 2 de carreau, qui est en 1, 2, 3, en quatrième position. On rassemble les cartes et on compte 1, 2, 3, 4, et on prend son 2 de carreau et on le met dans ce paquet-ci de côté. On lui demande aussi pareillement s'il voit sa carte. Donc sa carte est bien introduite dans le paquet. Sa carte n'est plus là. Il ne nous reste plus qu'un, deux, trois, quatre, cinq, six cartes. On les prend et on les met avec les autres du premier spectateur. Maintenant, on va demander à un troisième spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite. Imaginons celle-ci. Il récupère sa carte. Le 7 de cœur qu'on met en sandwich dans les autres cartes. On introduit les deux cartes des deux spectateurs dans ce paquet. On claque des doigts et leurs cartes ont mystérieusement disparu. Elles sont plus là. Et si on est à le deuxième paquet, les deux cartes adjacentes à la carte du troisième spectateur sont le 2 de carreau et la dame de carreau, les cartes choisies par les deux spectateurs. J'espère que ce petit tour vous a plu. Je vous remercie. À bientôt et prenez soin de vous.